Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Ça va bien? Après une troisième séance qui a été particulièrement abominable en raison de l'énorme quantité de chiffres que j'ai pu faire en l'espace de 3 heures, une soirée qui sera beaucoup plus sympathique ce soir avec l'honorable Rémi Trudel. Est-ce que tu as le titre officiellement d'honorable? Non. Ah. Au Québec, on s'appelle Monsieur. Monsieur. Non, c'est vrai. On a retiré. C'est vrai, vous avez. Oui, on a retiré le titre d'honorable en 1977. Mais... À Ottawa, on est honorable, très honorable. Et tu n'es pas très honorable. Tu n'es pas honorable. Hein? C'est une affaire, ça. Bon, Rémi Trudel, que vous avez fait en vous, il a commencé justement en politique municipale. Conseiller municipal de? De municipalité internationalement connue, Saint-Guillaume de Grenada. Oh! Ça dit quelque chose, hein? Ça, c'est une toute petite municipalité, en banlieue, là, en banlieue de Rouyn-Noranda. Il y a une petite municipalité là. Peut-être avoir l'occasion d'aborder ça. Pas ce cas-là, là, mais comment ça se fait que ça s'est produit? De quelque chose comme 2500 habitants. Puis là, c'était toujours le même mouvement. Les gens de cette petite banlieue dont j'étais ne voulaient pas payer les grosses taxes de la ville d'à côté, Rouyn-Noranda. Alors, on faisait nos indépendants. Mais arrive un jour où l'eau est contaminée à l'arsenic. Et là, on va laisser le suspense. Ouais. Quand on commence à laisser parler Rémi. Ensuite de cela, donc Rémi, qui a été par ailleurs recteur fondateur de l'Université de l'Abitibi en Québec en Abitibi-Témiscamingue. Voilà. Et puis ensuite, moult ministère, donc les affaires municipales. C'est pourquoi tu es là ce soir. Voilà. Maintenant retraité, professeur invité à l'École nationale d'administration publique, notamment avec le cours de principes et enjeux de l'administration publique. Et un nouveau cours commencé que j'ai créé à cette session-ci. C'est exact. Communication publique, interaction des médias et prise de décision. Alors. Permettez quand même que je fasse une petite introduction, et j'aurais dû probablement insister là-dessus en début. La réalité municipale québécoise, elle est pléthorique. Bon, 1100 municipalités au Québec, 4500 au Canada, on a à peu près, en termes de proportion, ça correspond à ça. Sauf que, on a une très très grande diversité de types de municipalités au Québec. Plus de 500 ont moins de 1000 habitants et seulement 10 ont plus de 100 000 habitants. Et évidemment, le grand défi lorsqu'on analyse le système politique municipal québécois, nous on se concentre essentiellement sur Montréal dans ce cours-là, mais malgré tout, il faut avoir à l'esprit que la loi doit malgré tout répondre à des situations aussi diverses que celle-ci. Pour illustrer ça, deux exemples, à la limite les plus extrêmes au Québec. La baie James, Montréal. La baie James, c'est 1/5 du territoire québécois. La plus grande municipalité. Montréal, 0,02% du territoire québécois. En termes de population, les chiffres sont complètement inverses. La population de la baie James ne représente que 0,02% de la population québécoise. Quant à Montréal, c'est plus d'un cinquième. Alors voilà, on navigue dans cette réalité extrêmement différente. Rémi Trudel, justement, en raison de cette expérience municipale, t'es dans une ville de combien d'habitants, Rémi? 2500 habitants. Et puis, est-ce que je dois dire que tu as aussi été candidat municipal à Montréal, ou je dois le cacher? Ben, c'est comme être candidat au NPD, je dois le cacher. Ça, parce que quand je vais. J'amène, moi aussi, je dis à mes élèves, quand je les amène, tu es à Ottawa, toi? Non, tu es à Québec. Alors, je les amène à soit Ottawa, soit à Québec. Puis, Thomas Mocquet, un ami, malgré le fait qu'on ne soit pas dans le même camp, et il dit toujours. Oui, la fois, je ne comprends pas dans le curriculum, mon ami. Pourquoi il ne marque pas qu'il était candidat pour l'NPD en 1988? Ah, d'où il est? Allez.
Mais bon. Donc évidemment, il y a cette capacité de voir les deux extrêmes. Rapidement, on l'a dit, on l'a répété à 1000 reprises depuis le début de la session, les municipalités sont la création des provinces. C'est l'article quoi de l'acte de l'Amérique du Nord britannique ? 92.8. 92.8. Les principales compétences, et on va les voir succinctement, une fois que Rémi nous aura laissé un peu de temps après sa présentation. Et finalement, ça nous permettra de voir ensuite que, pour mieux répondre à ces compétences que je viens d'énoncer, on a décidé de, selon évidemment la taille des villes, comme on l'a vu, il y a de très grandes disparités, on a parfois eu besoin de faire du supralocal, de regrouper des municipalités, et au contraire, parfois, de les subdiviser en arrondissements. Donc on verra dans quelles circonstances par la suite. Pour le moment, on accueille Rémi Trudel. C'est là qu'on doit mettre les feux d'artifice et compagnie. Merci. Mais il a oublié quelque chose dans mon diplôme. J'ai été le professeur de ce cher Hubert Florent Michelot. Ce qui n'est pas peu dire dans la vie. Hein? Oh, quand même. Hein, quand même. Hein? Ça a été comme bien formé ce monde-là. Bon. Et il a été aussi collaborateur assistant de recherche. Là, je ne vais pas trop m'éparpiller, dans un organisme international que je préside qui s'appelle la CONIFRAS, la Conférence luso-francophone de la santé. Un organisme entre les parlants portugais et les parlants français dans le domaine de la santé, avec surtout les pays qui ont des systèmes universels de santé. Bon, municipal. Chercher le fil de comment faire un exposé dans ce monde extrêmement complexe, qui est devenu complexe, le monde municipal. Et je me suis dit, finalement, c'est à travers l'histoire qu'on peut le mieux raccrocher. On peut bien mieux se raccrocher pour avoir un aperçu de ce secteur d'activité, de la gestion des services municipaux. En fait, on pourrait d'abord se rattacher à une date, 1870, pour partir quelque part. 1870, c'est la première loi ou le premier code municipal va être adopté à Québec. Pour dire que c'est comme un point de départ. Puis là, il y a un mot qu'il faut accoler à cette date-là, ça s'appelle proximité. Comment on va encadrer la gestion des services de proximité dans la population? On ne peut pas tout gérer de façon centralisée. On ne peut pas s'occuper des poubelles à partir de Québec. Des fois, il y en a qui aimeraient ça, là, mais s'occuper des poubelles à partir de Québec. On ne peut pas s'occuper non plus de qui va avoir, comment on peut bâtir sa maison, en quelle dimension, l'occupation du territoire plus tard. Là, qui va s'occuper de l'adduction d'eau potable? Qui va s'occuper plus tard du traitement des eaux usées? On ne peut pas faire ça de façon centralisée. On pourrait même dire, là, ça c'est en général, à chaque fois qu'un gouvernement adopte une loi, tout de suite, il place la responsabilité de l'application de cette loi-là dans un ministère, puis il en confie la responsabilité au niveau de la reddition de compte à un ministre. Dans toutes les lois, sans aucune exception, j'adopte une loi, subséquemment, je dis, il va y avoir tel ministère ou tel organisme qui va s'en occuper, et tel ministre va être responsable. Il n'y a aucune exception à ça, c'est le régime parlementaire. Dans le cas des affaires municipales, donc, à chaque fois que la question qui doit se poser, qui se pose tout le temps, est-ce que la loi que j'ai adoptée, que j'ai confiée à un ministère et dont un ministre est responsable, est-ce que je peux administrer cette loi-là de façon efficace, de façon centralisée? Tu n'as pas le choix. Il faut que tu te poses la question. Il y aurait une illustration plus facile encore, je pense, l'éducation. Est-ce qu'on peut gérer la loi sur l'instruction publique de façon centralisée à Québec
tout centraliser dans un médecin. Ça ne se peut pas. C'est vrai que ça ne se peut pas. Hein? On peut avoir des normes nationales, des programmes, des standards, l'application de standards nationaux, mais à chaque fois qu'on a une loi, il faut qu'on se pose la question, est-ce que je peux l'administrer de façon centralisée, ou encore, est-ce que c'est mieux que je l'administre de façon décentralisée? C'est ça qui est arrivé dans le cas des municipalités, c'était comme incontournable. On ne pouvait pas s'occuper des éléments, de tous les éléments des services de proximité de façon centralisée, si bien qu'on a adopté en vertu de la Constitution, d'accord, hein, 1867, la fédérale l'a mentionné, on a adopté un code municipal. Quand on va s'occuper des services dans un territoire, ben, il va y avoir des obligations. Ça s'appelle le code municipal. Et là, comme dirait l'autre, c'est parti mon kiki. Hein? C'est parti mon kiki parce que là, il va y en avoir une pléthore de lois, de décrets, de modifications. Si bien que si on fait des grands sauts dans l'histoire, là, on peut dire, à ce jour, on est gouverné au plan municipal par trois grandes lois. Le code municipal pour les petites municipalités. La loi des cités et villes, tu as vu, la loi des cités et villes pour les grandes municipalités, les plus grandes municipalités, et aussi maintenant la loi sur l'organisation des services municipaux qui, elle, parfois s'applique pour un certain nombre de municipalités, et puis peut-être... Je rajouterai un quatrième texte même. Hein? Je rajouterai un quatrième texte. La loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Ah ben oui, ça fait partie, oui, tout à fait. Ça fait partie de l'ensemble du corpus de lois, dirais de l'homme, qui vont être adoptées. Je me devance moi-même. Je pourrais ajouter, par exemple, la loi. Tu connais la loi? L-A-U. La loi? L'aménagement et... L'urbanisme. Voilà, la loi. La loi est plus importante dans le corpus des lois municipales que peut l'être, par exemple. La loi sur les référendums et les élections à milieu municipal et le financement des partis politiques dans cette loi-là. Mais fondamentalement, on part avec ces trois grands ensembles de lois. Puis là, il va y en avoir plus. On pourrait passer la soirée. Moi, j'en ai voté une après 15 ans. La loi sur l'organisation administrative des municipalités. Je ne vais pas vous l'adopter, c'est l'Assemblée nationale. La loi sur l'organisation administrative des municipalités. C'est-à-dire que tu sois la petite, grande, moyenne, statut spécial avec une charte, pas de charte. Maintenant, les processus administratifs sont les mêmes dans toutes les municipalités. Parce qu'on a uniformisé, mais ça n'a pas uniformisé les dispositions des lois. Ça a uniformisé les processus administratifs. Ça s'est ajouté. Mais je pense qu'il faut garder le filon en quelque sorte. Ces lois sont adoptées là, au tournant fin 1800, après la Constitution canadienne, début 1900. Et il faut se souvenir d'une chose. Ça veut dire que pendant une centaine d'années, après que nous ayons mangé une volée sur les plaines d'Abraham, hein, il y avait un système sur le territoire qui s'appelait le système censitaire. Hein, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de municipalité, mais on avait des seigneurs, on avait des terres accordées, des systèmes de redevances, etc. Mais le système censitaire, c'est à partir de la Constitution canadienne de 1867 et subséquemment les provinces qui vont développer leur propre corpus de loi, que là, on va commencer à avoir une organisation structurée. Et puis, je fais un grand saut en disant, la vie municipale, en termes d'organisation, est relativement tranquille, ou la même, jusqu'en 1970. Méchant saut. C'est à peu près la même chose. Jusqu'en 1970, là, on est au code municipal, on est dans la loi des cités et villes, on n'est pas encore dans la loi sur l'organisation municipale.
Et là, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Hein? Il y a des mots-clés, là, comme par exemple le mot pèlerinage. Vous avez vu, vous autres, hein? Pèlerinage. Ça veut dire que quand on voulait avoir de l'aide du gouvernement du Québec pour sa municipalité, eh bien, on appelait ça faire un pèlerinage. On allait à Québec pour rencontrer le ministre et on disait « Moi, j'aurais besoin d'aide parce que j'ai un bon projet. Hein? » Là, la première réflexion, c'était « Vous êtes de quelle couleur, vous? » C'est juste une question au hasard. Alors, vous êtes, c'est tellement vrai que je vous en compte une, parce que c'est moi qui l'ai défaite. À Sainte-Sophie-des-Laurentides, là, il faut me rappeler du nom. Il y avait une municipalité là, de 100 personnes qui s'appelait, il y avait une municipalité de 100 personnes à l'intérieur de la municipalité de Sainte-Sophie. Et ça, cette municipalité-là, à l'intérieur de Sainte-Sophie, c'était essentiellement un club de golf. C'était un club de golf. Mais, c'était plus des gars que des filles. Les gars avaient décidé qu'ils ne voulaient pas payer les taxes municipales à Sainte-Sophie, c'était trop cher. Ben, ils ont dit, on va se faire une municipalité nous autres. On va se faire une municipalité nous autres. Alors, ils sont allés voir faire les pèlerinages à Québec, puis ils ont dit, nous autres, on voudrait se créer une municipalité, puis ça donne que c'était le candidat qui avait supporté aux élections. Bon, c'est un hasard. Alors, ils ont créé cette municipalité-là, dont je vais me souvenir avant la fin du... Avant la fin, si quelqu'un tape Sainte-Sophie, tu n'avais pas retrouvé ça. Et ça a duré pendant des années, et cette municipalité n'avait qu'une seule chose à entretenir. Devinez quoi? Le chemin qui va au golf. Juste ça. Alors, les taxes étaient minimales, ils ouvraient même pas le chemin l'hiver, parce que le golf l'hiver, oui, c'est plus tranquille. Hein? Ils se créaient des municipalités un peu comme ça. On allait chercher les subventions au gré de l'orientation politique. Et c'était devenu comme un usage coutume dans le monde municipal de faire les pèlerinages jusqu'en 1978-79, où là, on va adopter la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Mais attention, pas juste la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, sur la refonte du système fiscal des municipalités. À compter de 1978, après la loi peut-être adoptée depuis 1979, là, mais 1978, là, maintenant on va confier une nouvelle responsabilité, pas petite, l'aménagement et l'urbanisme. J'y reviens dans quelques secondes. Et puis, en plus de l'aménagement et l'urbanisme, maintenant, aucune subvention va aller aux municipalités en provenance de Québec. Zéro. C'est fini, c'est terminé. Cependant, en contrepartie, on réserve aux municipalités l'exclusivité du champ de taxation foncier. Les municipalités vont pouvoir taxer sur les biens fonciers pour leurs propres besoins et personne ne pourra aller jouer là-dedans, ben c'est la voie, à l'exception des commissions scolaires, pour un maximum de 25 sous. À l'époque, ben, c'est rendu à 30, là, de 25 sous. Alors, ce qu'on disait, c'est qu'il n'y en a plus de dépendance. Vous allez vivre de façon autonome. Puis si vous augmentez les taxes pour des services aux citoyens, compte tenu des responsabilités que vous avez ou que vous vous donnez, bien, vous aurez à rendre des comptes à votre population. À votre population, vous allez avoir à rendre des comptes et vous justifierez aux élections ou pendant s'il y a des consultations populaires, vous allez prendre des comptes. Alors ça, c'était comme tout un virage, là, 1978-1979, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, là, c'est pas rien qu'un recueil de souhaits, cette affaire-là. Toutes les municipalités sont obligées, pour une période de 5 ans renouvelable, de se donner un schéma d'aménagement et de développement. Il faut que tu te donnes un plan d'aménagement. Qu'est-ce que tu vas faire sur ton territoire? Quelle va être l'occupation du sol?
quelles vont être les mesures que tu vas prendre pour les matières résiduelles. Il faut que tu te donnes un schéma d'aménagement et de développement, un schéma d'urbanisme, d'aménagement et de développement. Et attention, ce n'est pas un petit exercice. Parce que ton schéma, quand il est, c'est le ministre des Affaires municipales qui l'approuve, mais le ministre des Affaires municipales est lui-même obligé et tenu d'envoyer ton schéma d'aménagement dans tous les ministères du gouvernement qui ont tous le loisir de te faire leur remarque en disant non, ça marche pas, ça c'est pas conforme à nos lois. Alors ça passe à travers le crible de tous les ministères puis ça revient au ministre des Affaires municipales. Puis là, ben, tu réécris la municipalité, regarde là, ton schéma, il n'est pas pire là, mais il manque ça dedans, il manque ça sur ça. Oui, madame? Pour être sûr, je suis madame Lallemand, c'est pas au niveau de la MRC, non de la municipalité? Regroupé à la MRC. Parce que dans la LO, hein, dans la LO, très bonne remarque, dans la LO, il n'y avait pas juste aussi la fiscalité. Il y avait la création de des MRC, des municipalités régionales de comté. Je dis toutes les municipalités parce qu'elles sont, à ce moment-là, elles sont toutes dans la MRC. Alors, c'est la MRC qui va, la municipalité régionale de comté, qui va être tenue de fabriquer, réaliser, mais avec l'obligation que tous les maires, les municipalités, soient d'accord avec le plan qui est présenté. C'est les MRC qui en sont les responsables. Premier mouvement, par ailleurs, de regroupement pour certaines responsabilités. Les municipalités régionales de comté. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà posé la question. Pas nécessairement cosmique de se la poser la question, mais quel nom bizarre, hein? Des municipalités régionales de comté. Ça, c'est une espèce de compromis sur les mots, parce que les maires au Québec, ils s'étaient donné des lieux de réunion. Hein? Des lieux, ça s'appelait les préfets de comté. C'était volontaire. Les municipalités se rejoignaient, puis les préfets de comté, mais sauf que ça avait comme une certaine influence politique. Alors, quand on a voulu mettre sur pied les MRC, ils n'ont pas voulu laisser aller le mot comté. Alors, M. Léonard, Jacques Léonard, qui était ministre à cette époque-là, il a dit, bon, par ailleurs, vous allez être des municipalités. Et ça va être régional. Là, vous voulez qu'on garde comté? Correct. OK. Ça va être des municipalités régionales de comté. Puis c'est comme ça que c'est entré dans le langage commun, afin que par ailleurs, ben, on va aussi en sorte pour certaines agglomérations, pour certaines régions, certains secteurs. Mais là, alors, c'est pour ça que je dis ça a été, là, il ne s'est pas rien passé, mais c'était relativement tranquille jusqu'en 1970. Petit Péliridaire, va têter le ministre, pouf, on a savoir de subvention, tu reviens dans Paroisse, et tu dis que tu as obtenu une subvention. Puis ça. Ça a perduré longtemps, ça. Très, très, très longtemps, cette espèce de mythe. Moi, je suis nommé ministre des Affaires municipales en 1996. Ça fait à peine une semaine que j'étais nommé, je rentre au ministère. Et je vois, dans la salle d'attente, il y avait comme 5-6 personnes qui étaient là. Bonjour, c'est bien, belle politique. Dis à la jointe, à la secrétaire, à la jointe. C'est qui ça? C'est qui le. Parce que, ben, elle dit, c'est parce qu'ils veulent voir le ministre. Et là, elle dit, mais là, après un rendez-vous, il dit quelque chose, moi, il y a des affaires que j'ai prévues. Elle dit, non, mais ils viennent d'où? Elle dit, ça, là, on ne reconnaissait pas. Ben, là, c'est pas tout ça. Hein. Ça, c'est Benoît Arsenault des Îles de la Madeleine. Benoît Arsenault, malgré le fait qu'on avait arrêté ça en 1978, il continuait à faire les pèlerinages. Alors, je suis allé les voir, puis je lui ai dit, ben là, il faudrait se prévenir un peu. Puis là, je vais s'aménager le lundi, l'horaire après-midi, pour me voir. Je dis, pas de problème. Ils vont pas attendre. À demain, s'il faut. Nous autres, on est une semaine à Québec. On vient voir le ministre. Ça, c'était des relais, des pèlerinages, des maires qui venaient demander de l'aide à Québec pour toutes sortes de bonnes raisons. Quand je les ai rencontrés, j'ai dit, puis, ben, ils ont dit, ça va bien. Oui, mais là, si vous venez me voir, tu quelque chose? Oh oui, on a toujours besoin de quelque chose, puis nous autres, on veut savoir, c'est quand il va nous avoir de l'argent, là, vous allez nous en donner un peu, hein?
Là, je dis, ouais, mais là, ça ne marche pas tout à fait de même. Là. Tout du monde d'une superbe bonne volonté, hein, mais qui n'avait pas encore décroché de la période, non, non, vous avez votre autonomie sur vos responsabilités, vous avez aussi une assiette fiscale dont vous êtes responsable, totalement à la conscience, vous ne rendez pas de votre population. Ceci étant dit, Benoît Arsenault n'a jamais changé. Bon. Donc, si on regarde ça en termes d'évolution, 1998, c'est là qu'on va faire l'uniformisation de l'administration municipale. On va prendre tout ce qu'il y a, tout ce qui traîne. Tout ce qui existe dans les lois, etc. On fait une loi sur l'administration municipale. Et puis, on appelait ça là, dans le langage des fonctionnaires, le livre 5, parce qu'il y avait eu d'autres livres auparavant. Puis là, on a dit, quand ça a été fait, on s'en va dans le livre 6. C'est quoi ça, le livre 6, d'abord là? Bien, ils ont dit ça va être l'uniformisation des lois municipales. La loi des cités des villes, le code municipal et les autres lois qui se sont greffées. Ça, c'était en 1998. Ils travaillent encore là-dessus. Parce que c'est comme transformé au niveau du monde municipal. Puis voyez-vous, par les temps qui courent, là, par exemple, ils sont pas mal moins attablés sur l'uniformisation des lois municipales que qu'est-ce qu'on fait-il avec Montréal? Qu'est-ce qu'on fait-il avec Québec? Hein? La capitale et la métropole, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un méchant casse-tête, ça, cette façon-là. On va voir, il y a un nouveau ministre qui est appelé. Relativement tranquille, donc, une espèce de mutation qui s'est produite autour des années, fin des années 70. Puis après ça, va aussi s'introduire une autre dimension pour les municipalités dans la foulée des années 85-90. Je dis là bien la foulée parce que je ne suis pas arrivé d'un coup sec. Et là, pendant ces années-là, il y a un maître mot qui va apparaître. Le premier ministre est M. Bourassa, Robert Bourassa, et lui, il va faire introduire dans l'administration québécoise le mot de la subsidiarité. Tout, je répète après moi, subsidiarité. Hein? Tu venais vous prononcer quand on est mal de temps. La subsidiarité. La subsidiarité, c'est-à-dire, à chaque fois que non seulement on adopte une loi et qu'on en confie l'administration à un ministère, la responsabilité à un ministre, il faut aussi qu'on se pose la question, quel est le meilleur niveau, la meilleure place pour que soit effectivement rendu le service prévu par la loi. La subsidiarité, c'est confier au meilleur niveau possible, au meilleur niveau qui est mieux équipé pour rendre l'application de la loi ou rendre un service de façon plus efficace que par ailleurs, nous le ferions de façon décentralisée. On le confie à quelqu'un d'autre. Il faut dire aussi que la subsidiarité, là, bon, elle apparaît également dans la foulée de ce qui se passe dans la Constitution canadienne et des projets d'amendement de la Constitution canadienne. Et c'est là que Robert Bourassa avait appris cette importance-là. Il est allé en Belgique aussi, je trouve que c'est très, 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 très pratiqué, la subsidiarité. Mais la subsidiarité a aussi un côté un peu crasse. C'est-à-dire que quand je dis, je décide que c'est à un autre niveau qu'on peut rendre plus efficacement un service ou l'application d'une disposition de la loi, bien, ça te permet aussi de passer le baquet aux autres. Ça te permet de passer le petit lavassine puis l'eau à l'autre côté. Et puis, c'est dans cette période-là qu'on va amorcer un processus qui n'a pas encore ralenti. Je dis qu'on est davantage capable de rendre plus efficacement le service, la subsidiarité, dans une instance locale, et j'en cède l'application ou la totale responsabilité. Et là, les municipalités ajoutent avec raison
Ouais, mais quand tu me passes le petit de la bassine puis l'eau, là, peux-tu me passer le financement pour que je puisse le rendre, ce service-là? Et c'est là qu'est, comme dirait l'autre, comme dirait Bossuet, c'est là qu'est la passe Western. C'est là qu'est la passe Western, c'est que tu crées la nécessité ou l'encadrement du service, puis tu en confies l'application à quelqu'un d'autre, puis tu débrouilles tous les moyens. Trouve-toi là. C'est ainsi, par exemple, que M. Ryan, qui a été ministre d'affaires municipales avant moi, avait comme il avait exécuté une commande. M. Ryan avait exécuté une commande. Bon, il y avait des difficultés budgétaires au gouvernement du Québec. Et puis là, il fallait qu'on passe le bucket à quelqu'un d'autre pour certaines responsabilités. Alors, on a comme décidé que pour la voirie rurale, 2500 km de chemin, les municipalités étaient bien mieux organisées que le Québec pour s'en occuper. Surtout, s'en occuper et payer pour, en grande partie, il y aurait une compensation, mais pas totalement. Alors, c'était de la subsidiarité, mais un peu intéressé, oui. Je suis juste pas sûr de comprendre la subsidiarité. Bon, vous dites que c'est introduit au temps du Sien Charles, c'est assez récent. C'est vous qui avez dit ça. Ben, c'est ça. Mais fondamentalement, j'essaie de voir la différence avec le concept de pouvoir délégué en droit administratif. Qu'est-ce que ça vient de... Ça se rapproche comme le concept global, c'est je confie à une autre instance la responsabilité de l'application, pas de faire la loi, de l'application de la loi. Et on peut appeler ça comme ça, la réglementation déléguée, mais si tout ça est sous le principe général de la subsidiarité, le concept général de « je confie à un autre le soin de réaliser ». Mais il ne faut jamais oublier que la réglementation déléguée ou la subsidiarité, quand je confie à quelqu'un d'autre, les moyens viennent-ils avec? Hein? Alors ça, c'est le grand problème. Et là, ça fait comme des discussions un peu éternelles en disant oui, par exemple, cette question de la voirie avec M. Ryan, ben, il dit entretenir un kilomètre de voirie rurale, les évaluations disent que ça coûte à peu près 6 500 $ par année. Je vais vous donner 4 500 $. Mais qui va payer les 2 000 $ de différence? C'est le champ de taxation municipal qui va avoir la complète différence. Ou bien donc, tu vas fermer des chemins. On sait bien que ça n'arrivera pas, tu sais. On ne va pas y arriver. Alors, ça fait de plus en plus un fardeau lourd sur les municipalités. Puis quand on dit un fardeau un peu plus lourd pour les municipalités, c'est pas l'unanimité de dire qu'ils trouvent ça trop lourd. Il y a des municipalités qui aiment ça. Ils aiment ça parce que ça augmente, si vous voulez, leur chiffre d'affaires. Ils peuvent s'occuper davantage de choses à partir de... Puis aussi, la notion sérieuse de « on est mieux organisé pour bien rendre service aux citoyens ». Ça se défend jusqu'à un certain point. Ça se défend qu'on est mieux organisé parce qu'on est plus proche des citoyens. Et puis, on est plus proche des citoyens... On se rappellera que, par exemple, le niveau municipal est le seul niveau de gouvernance, de gouvernement, où les citoyens peuvent intervenir directement par obligation de la loi. La période de questions et réponses, hein, la période de questions orales, je me dis, les conseils municipaux ne trouvent pas ça toujours agréable, mais c'est on l'introduit dans la loi, parce que il faut que, si on leur confie à l'administration du service de proximité, il faut qu'ils rendent des comptes aussi à la population. Ça, c'est le mouvement de 70. On est dans 85, la délégation, la subsidiarité. Et puis après ça, là, on va embarquer dans l'autre grand mouvement, à compter de 1990-91, mais plutôt 95. Les fusions municipales. Bon, alors les fusions municipales, là, comme le disait tantôt l'exposé de Florent, écoutez, il y en avait 1400 municipalités au Québec, des titres, des moyennes, des grosses, de toutes les catégories, et
on se disait globalement, pas juste dans un parti politique, on se disait globalement, ça serait pas mal plus efficace si on regroupait un certain nombre de municipalités. Et là, c'est comme parti, et on pourrait faire évidemment là, un long, long chapitre là-dessus. Mais moi, on m'a donné la responsabilité de pondre la première politique de regroupement des municipalités au Québec. Tu parles un instant? 1980. Je reviendrai évidemment là-dessus, oui. Sur les fusions et défusions spécifiquement. Oui. Dans deux semaines. Il y aura un autre intervenant, ce sera Peter Trent. Oh, Peter, mon ami Peter. Lui, il est content, il a sa municipalité. L'an dernier, sur les fusions, on avait reçu Louis Arrel. Okay. Je vous inviterai à consulter sa conférence pour le cas spécifique de Montréal. Et pour assurer le contrepoint, cette année, j'ai décidé d'avoir Peter Trent pour la partie post-fusion des fusions. Je te laisse sur le reste des fusions. Vous ne manquerez pas de bonne nourriture avec Peter. On va s'amuser. Vous ne manquerez pas. On est absolument en désaccord, mais je vais dire que je l'ai dit d'ailleurs à Florence. J'ai travaillé une dizaine d'années avec Peter. Et remarquablement intelligent, défend des valeurs qui ne sont pas totalement partagées sur l'île, mais par ailleurs, il a un rationnel pour être capable de les défendre. On est en 1996, la politique de consolidation des communautés municipales au Québec. Là, avait fait le tour de pas mal pour les mots, la consolidation des communautés. Essentiellement, une politique gouvernementale, pas une politique des ministres, une politique gouvernementale en trois temps. Des regroupements de communautés municipales de petite taille, 10 000 et moins. Le regroupement de municipalités de taille moyenne, 10 000 et plus. Et troisième, Montréal-Lille. Ouh! Ça, c'est la politique. Bon. Alors, moi, j'ai été appris, on a lancé la politique en 1996. Et puis, au niveau des petites municipalités, là, j'ai proposé que 470 municipalités en deviennent 130. À partir d'un principe assez simple, mais qui demande des modulations, c'est dans les municipalités où la population forme une communauté, essentiellement village paroisse. Il y avait, en fait, quelques 400 municipalités qui étaient des municipalités de village, des municipalités de paroisse. Ça, c'est apparu au cours de l'histoire. Vous savez pourquoi? Deux raisons fondamentales, deux motifs fondamentaux qui étaient apparus. C'est pourquoi il y avait deux municipalités sur le même territoire? L'électrification. Quand on a commencé l'électrification universelle, rurale, du Québec, eh bien là, on a dit l'électricité va être accessible à tout le monde. Et tout le monde va payer sa part. Les gens de l'agglomération urbaine, on va dire, on l'appelait comme ça, ont dit, nous autres, on va payer, on va payer pour les grandes lignes qu'on va installer dans les rangs. Parce que, par définition, dans la paroisse, on a des terres agricoles, puis on a de grandes distances. Il faut donc des installations plus coûteuses. Non, pas question. Nous autres, on va payer pour l'électrification au village. Et puis vous autres, la paroisse, bien, vous paierez pour vos affaires. Alors, ça a créé des municipalités, une même communauté. Ces gens-là fréquentent les mêmes endroits. À l'époque, on disait qu'ils fréquentaient la même église. fréquenter le même centre communautaire, l'école, etc., etc., etc. Alors, il y avait la vie rurale, agricole, puis la vie urbaine, ça faisait des paroisses. Alors ça ne subsistait plus, à notre avis, en 1985, on formait une seule et même communauté. Alors on dit, si on forme une seule et même communauté, on va se fusionner, ça va avoir plus d'efficacité au niveau des services à administrer. Je me rappelle comme c'était hier, des réunions comme cela, là, avec
125 maires et 125 maires et conseillers municipaux. Je les ai toutes rencontrées au Québec pendant 6 mois. Donc, vous avez l'affaire que des fois, ça fait de la tempête, t'as dû pas mal. Mais c'est ça aussi l'administration publique. Parler aux gens, écouter, retenir, dire « ouais, il y a quelque chose d'intelligent ». Alors, il y a des gens qui nous expliquaient, qui t'expliquent par exemple, c'est anodin, mais toi, tu regardes ça sur la carte, tu regardes la population, là, puis tu dis, ces gens-là vivent la même réalité, la même réalité sociologique, c'est une communauté, ils vont se fusionner. Mais là, ils t'expliquent qu'il y a une montagne. Ah oui, il y a une montagne entre les deux. Si je me souviens bien, là, c'est Canton Sutton, et Sutton, là, pour ne pas me tromper, là. On fait la bonne exposé que les gens ne vivaient pas, enfin ne fréquentaient pas les mêmes lieux parce qu'il y avait une montagne, une grosse montagne entre les deux, puis qu'ils avaient développé plus tôt des services et la fréquentation de l'autre municipalité, qui était un petit peu plus éloignée, peut-être 10-12 km, mais ne formait pas pour tout ça une communauté avec l'autre municipalité. Alors, ça servait à ça. L'autre motif qui fait qu'on a eu des mouvements de création de paroisses et villages, c'est les systèmes d'adduction d'eau, l'aqueduc. À partir du moment où les gens du village ont dit on va se donner des systèmes d'adduction d'eau potable, parce que là, on n'est pas pour avoir chacun nos puits, puis que VT, PTFT, on va se donner des systèmes collectifs, puis on va faire ça. Bien là, c'était l'inverse. Ça a été les gens de la paroisse qui disent « Wow, 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 là! Nous autres, là, l'aqueduc, elle ne se rendra pas chez nous, puis on paierait pour… » Non, 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 regardez, payez votre aqueduc, là, puis nous autres, on va s'organiser avec nos puits artésiens. Ce qui fait que ces gens-là, avec ça, c'est justement, on prend ces deux éléments-là, des raisons d'avoir deux unités municipales, puis là, on était rendu mort. Alors, on a procédé comme cela, on est parti de 430, puis finalement, on a fini à 170. 170 communautés regroupées sur l'ensemble, parce qu'il y en avait d'autres communautés où c'était pas vrai. C'était pas vrai que ces gens-là faisaient partie d'une même communauté. Toutes sortes de facteurs. Saint-Angèle de Monnoir, ici, là, pas loin. Ils sont peut-être à 4 ou 5 kilomètres d'une autre municipalité, mais ils n'ont pas d'éléments communs. Ils n'ont pas d'éléments communs. Alors, ou encore, juste, il y a toujours des cas caricaturales. Là. Les cas caricaturales, je l'ai dit tantôt, c'était pour les 10 000 et moins. Les 10 000 municipalités, 10 000 habitants et moins. Il y avait la mairesse d'une municipalité sur l'île de Montréal, que vous connaissez bien. La municipalité de l'île d'Orval. Savez-vous combien c'est d'habitants au registre? Trois. Il y a trois habitants à l'île d'Orval. C'est une espèce d'anachronisme de l'histoire. Je me souviens très bien, parce que vous avez vu ça dans vos responsabilités. Là, à chaque année, le ministre des Affaires municipales signe un décret pour identifier les populations des municipalités. Ça sert à tout le monde de référence. Tu veux donner de l'aide, tu veux accorder de l'affaire, tu regardes le registre, on signe ça tous les ans. Alors, une année, moi, je signe ça là, puis là, il y a un petit truc, là, quand tu signes ça, là, ça fait comme 1000 pages, tu sais. Tu les mets en biseau, puis tu fais ça de même, quand tu jettes un coup d'œil, tu sais. Là, je regarde ça parce que tu as l'année de ce que tu signes, la population à l'année dernière et la différence en pourcentage. Là, je vois une municipalité, moins 30%. T'as vu la fuite des cerveaux, c'est quoi, là? C'est quoi cette affaire-là? Je mets mes yeux vers la gauche, je regarde ça. L'île d'Orval. Et à l'île d'Orval, un des trois, c'était Peter Human, le maire de Dorval. Et qui me dit, mais c'est pour ça qu'il y en a juste deux, Rémi, quand ils ont fait le dénombrement, moi je n'étais pas là au chalet. C'est pour ça maintenant qu'il y en a deux au lieu de trois. Et la mairesse, Madame Drapeau, qui était là pendant au moins 20 siècles, elle travaillait, elle aussi, à la municipalité de l'île d'Orval. Mais c'était comme une île, c'était comme New Glasgow. Le groupe, la municipalité de Sainte-Sophie, vient de retrouver. New Glasgow, que ça s'appelait. Quand au début, quand je dis qu'il y avait une municipalité qui s'était créée, là, la municipalité de New Glasgow, 154 habitants. Bien, l'île d'Orval, c'était comme ça. Les gens avaient des chalets. Donc, on va se faire une municipalité. Oui, on va se faire une municipalité pour qu'on ne paiera pas de taxes à Dorval ou à Montréal. Alors, M. le ministre, on va se faire une municipalité. Bon, on va vous organiser ça, là, pour vous allez voir.
Bah, c'est ici, là, ça le rock. C'était un peu folklorique, mais il y a le dernier coup, ça pouvait marcher comme ça. Donc, on a fait ça comme premier mouvement. Le deuxième mouvement, c'était donc les 10 000 et plus. Ils m'ont changé de ministère. Je suis allé à l'agriculture, comme on l'a fait. C'est Louise qui vous l'a compté. Louise qui a eu à faire les 10 000 et plus et les Montréal et plus. Et l'île de Montréal. Bon, alors, tout le système des arrondissements, ça c'est Louise. Bon, c'était la même politique, mais c'était l'autre tranche qu'il fallait appliquer. Puis là, ben, c'est sûr que ça a été une réussite spectaculaire parce que nous avons sacré dehors. Il faut bien qu'on soit capable de dire ce qui était la chose. T'sais. Mais on a osé, mais d'aucuns diraient, là, et je le dis, on a manqué d'écouter un peu. Il faut écouter. Mais je me rappelle toujours de ce mouvement donc, des petites paroisses. Là. Il y en a 40 qui n'ont pas finalement été dedans là, parce que. Il faut écouter le monde. Des fois, ce n'est pas toujours des arguments. Des arguments quantitatifs, c'est qualitatif. Et puis là, je ne vais pas vous faire le débat sur le Montréal parce que vous allez l'avoir, Peter va vous le donner. Puis par ailleurs, ben, le législateur, peu importe lequel, a été obligé, n'a pas le choix, fusion, diffusion, refusion, peut-être obligé de faire une couche par-dessus qui s'appelle le conseil d'agglomération. Qu'est-ce que ça veut dire le conseil d'agglomération essentiellement? Ça veut dire que tu payes ta part pour les services. Hein? Tu payes ta part pour les... Tu veux garder ta municipalité, il y a comme une légitimité là-dedans, il y a eu des référendums. Bon. Mais par ailleurs, ça ne vous sauve pas de payer votre quote-part pour les services communs. Donc là, ça nous a amené à cette couche-là. Et puis là, on est aussi dans une autre vague... de délégation réglementaire, de subsidiarité, on est encore dans une autre vague, hein, où on tente d'en envoyer le plus possible dans les municipalités. Et puis, ça, c'est le fait qu'on envoie de nouvelles responsabilités, ça se complexifie au niveau de l'administration municipale ou de l'administration, des municipalités au Québec. Les responsabilités traditionnelles, on les a énumérées tantôt, elles sont encore là. Mais là, on a multiplié les programmes administrés par les municipalités, par exemple, d'infrastructures. On veut moins s'en occuper, on vous donne de l'argent à trois, de l'argent qui vient du fédéral, de l'argent du Québec, et vous allez fournir une partie, puis c'est vous autres qui allez administrer cela, administrer la responsabilité. On va élargir aussi, l'application du culturel. Ben oui, l'application du culturel, là. Le développement économique local. Je veux en glisser un mot, parce que dans cette autre vague, là, autour de 1995, 96, 97, va se créer un ministère des régions et aussi, surtout, les centres locaux de développement qui sont comme accolés, pas qui dépendent, qui sont accolés aux municipalités. À Montréal, ça va être les CEDEC. Ils sont accolés aux municipalités parce que, vous savez, il faut les rappeler. Tant qu'à avoir des rites, ça sert à quelque chose. Vous savez pourquoi on a créé, ces instruments qui s'appellent les centres locaux de développement? Parce que les municipalités, les bains aux gères, sont interdites au Québec de soutenir le développement économique. Une municipalité est interdite de soutenir le développement économique sur son territoire. Pourquoi? Ça remonte à 1981, Ville d'Anjou, le maire M. Corbeil. Ville d'Anjou, là, il n'a pas toujours été là, le centre d'achat, hein? Les galeries d'Anjou, il n'a pas toujours été là. La Ville d'Anjou, au tournant des années 80, c'était le pacte. Les édifices se développaient en hauteur, le logement, l'occupation du territoire, le grand centre d'achat, ça marchait, ça roulait. La municipalité, à toute fin utile, ne savait plus quoi faire avec son argent, tellement ça rentrait par palier. Il y avait pas mal plus de revenus, ça marchait, ça roulait.
Alors, le maire et, son, les conseillers ont dit, on devrait, en quelque sorte, constituer une espèce de trésor pour les années à venir, pour les générations à venir. On va acheter des valeurs mobilières, puis quand ça va monter, ça va te faire un pactole assez extraordinaire. Vous voyez les yeux, vous, là? C'est quoi le propre des valeurs mobilières? Ça monte et ça? Descend. Alors, il y en a acheté à cette époque-là, de souvenirs, là, 15 millions. 15 millions. Puis là, ça allait être le pactole, mais tout à coup, il y a eu comme une espèce de crash boursier, puis ils se sont réveillés avec une valeur de 300-400 000. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient joué avec l'argent des taxes pour rendre des services. Les taxes, là, c'est fait essentiellement et uniquement pour rendre des services. Puis tu rencontres la population, comment tu t'en occupes. Alors, le gouvernement va adopter une loi pour l'interdiction des subventions au développement économique sur le territoire municipal. Les municipalités sont par ailleurs créatives. Elles sont créatives. Ils ont dit, on ne peut plus faire ça, on va le faire autrement. Alors, ils se sont créés des organismes à côté, qui se sont appelés des commissariats industriels au début, qui sont appelés subséquemment les CEDEC à Montréal, des CLD avalisés par le gouvernement du Québec, où là, le développement économique, c'est pas la municipalité qui s'en occupe. C'est le centre local de développement et on va financer toutes les ressources, pas toutes, mais les ressources humaines du CLD, et le CLD, on va même lui confier de l'argent qu'il va prêter, il va prendre des participations, etc. Mais ce n'est pas la municipalité, c'est la CLD. Jusqu'à il y a quelques temps, quelques mois. Parce qu'il y a quelques mois, on a donc dit que le gouvernement du Québec, lui, ne subventionnerait plus ses centres locaux de développement et puis que les municipalités qui voulaient continuer devraient le prendre à leur charge. Et certaines municipalités, moi, je ne sais pas jusqu'à temps ça va résister, cette affaire-là, là. Certaines municipalités, donc, qui viennent de s'engager dans le développement économique et qui ont des investissements, qui ont des prises de participation dans des entreprises pour bien faire, mais quand il y en a une qui va péter en l'air, là, les citoyens vont dire « Oh, c'est quoi ta affaire-là, là? C'est quoi ta affaire-là? Vous avez fait ça avec mes taxes, moi, là? » Alors, il y a comme quelque chose là, qui est très, 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 très dynamité, qui est de la dynamite dans ce secteur-là. Je pense que je m'en irai vers la fin. Là, je pense que je m'en irai vers la fin en disant une des grandes révolutions dans le monde municipal, ça a été donc la loi sur l'aménagement de l'urbanisme et la fiscalité municipale de 1978. Jusqu'à peu près il y a 2 ans, 3 ans, l'administration municipale ne devait compter que sur elle-même. Ce n'est plus vrai. Parce qu'à cause de toutes sortes de services de programmes qu'on leur a transférés, bien maintenant, seulement 70 % des revenus des municipalités viennent de la taxation foncière des contribuables du territoire. Ça veut dire qu'il y a 30 % qui viennent d'ailleurs. Exemple, on a décidé de prendre 1,5 sou sur chaque litre d'essence consommé dans la grande région de Montréal. Et on envoie ça à la Ville de Montréal pour l'entretien des rues. Tout le monde voit d'ailleurs des résultats, c'est spectaculaire. Quoi ces sourires-là, là, hein? Alors, vous voyez, on transfère de l'argent d'une certaine forme de taxation sur des biens de consommation qui s'appelle l'essence, puis c'est pour vous aider. Et en bon sens, c'est que ça m'empêche d'avoir de la pression pour être capable d'aider parce que Montréal est au prix avec cette responsabilité-là. Ça crée donc cette espèce de déséquilibre. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire, par ailleurs, en conclusion, je pense qu'on va assister, là, encore à révolution, c'est trop fort, à une autre mutation avec ce qu'on a promis comme pacte fiscal, de nouvelles dispositions sur qui finance quoi, et deuxièmement, les nouvelles moutures sur le statut de métropole et le statut de capitale. Et là, c'est la vie démocratique qui est comme ça. On a deux maires ultra puissants qui sont capables de faire branler, comme on dit communément, c'est la queue qui fait branler le fruit.
ils sont capables, c'est deux mains omnipuissants qui ont leur mérite et puis leur propre appui. Alors là, il ne faut pas non plus trop spéculer, là, mais il y a tellement eu d'engagement qu'il y aurait, et sur le statut de métropole en particulier, qu'est-ce que ça va vouloir dire comme responsabilité supplémentaire? Hein? Qu'est-ce que ça voudra dire? Puis si tu as des responsabilités supplémentaires, qu'est-ce qui pourrait nous faire dire aujourd'hui que le fric va venir avec quand il n'a plus d'enquête centrale? Il n'a plus d'enquête centrale. Fait que là, des responsabilités, oui. C'est vrai qu'on est bien, on est mieux, on est peut-être mieux organisé pour l'intégration des personnes immigrantes à partir du municipal, mais il y a une responsabilité nationale aussi, je t'égare. Il y a une responsabilité de l'ensemble de la nation. On ne peut pas déléguer n'importe quoi. On peut vouloir toutes sortes de choses à pouvoir, mais ça prend les moyens. Sans ça, les citoyens de Montréal vont dire, ils disent déjà, bon, c'est assez là, regardez là. Hein, moi, je vais payer mon compte de taxe cette semaine. J'ai des très bons services, c'est excellent, mais là, arrêtez, modérez vos ardeurs. Voilà. Oui, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que ça peut apporter d'avoir le titre de métropole, ouais, en dehors du titre, etc., mais qu'est-ce que ça peut apporter de plus pour les villes? Essentiellement, c'est plus de pouvoir et plus d'argent pour exercer ses pouvoirs et ses responsabilités. Comme par exemple, comme illustration, c'est vrai que Montréal est une métropole culturelle. Hein, une métropole culturelle.